ratais le bois, c'est demain, je voulais plus de toi, c'est demain, j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, c'est demain, j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et c'est demain, c'était foutu. Et si demain fallait que je parte, et si demain fallait que j'embarque dans une autre barque que la tienne, direction le vent me mène. Et si demain j'étais chômeur, et si demain j'attrapais peur, et si demain j'avais plus de thunes de tout pouvoir t'offrir la lune, et si demain ma gourmandise fallait qu'une autre que toi ne luise dans les remises de fantasme, c'est grave et des histoires. Et si demain il faisait bon goût. Et ça marche, Manu? Ça marche? Viens, viens, regarde, ça marche. Et si demain il n'y avait plus de guerre, plus de flics et plus de soldats, que les humains à part entière, plus le président, plus le roi, plus le PDG, plus le notaire, rien que des gens comme toi et moi, les personnes formées de chair pour 60 ans sur notre terre, avec deux gens et puis deux bras, 32 ans et des choses à faire, pour pas pouvoir se prendre dans les bras. Comment parler de cette rencontre? J'ai pas cru d'abord. C'est clair, difficile à croire. Je savais pas si c'était vrai, et puis je savais pas si j'en avais vraiment envie. Fallait que je fasse un choix. Mais après réflexion, je me suis dit que si ça se présentait à moi, c'était bien pour une raison, et que ça allait pas me faire de mal. Et puis, si ça me fait du mal, c'est peut-être du mal que je dois connaître. C'est peut-être quelque chose d'enfoui, c'est peut-être une sorte de travail archéologique de l'inconscient. Puis, il se passe tellement de choses bizarres. Que tout est possible, non? Mais ma petite chérie, mais non, tu peux pas parler. Mais non, mais c'est pas de parler. Maman, je t'entends pas. Y a pas de micro. Non, 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 y a pas de micro, y a que toi qui peux m'entendre. Je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui... Je peux regarder vite fait, mais... Non, ils ont pas prévu ça. En fait, je sais pas vraiment quoi te dire. T'es là devant moi, t'es réel, on m'a certifié que t'étais pas un clown, que t'étais pas une image en 3D, et puis ça se voit, sinon t'es vraiment bien faite, et puis c'est marrant parce que je te sens, On est sur Skype, c'est bizarre, hein. Skype, c'est dingue, non? Tu connais pas toi Skype? Tu connais pas. Et MSN, t'as déjà MSN? C'est vrai que... Pouh, excuse-moi. Ah, tu sais que maintenant on passe notre temps sur les ordinateurs avec des téléphones, alors que t'as même pas internet à la maison. Je sais vraiment pas pourquoi je te raconte ça. Parce qu'en fait, il faut que je te dise quelque chose. En gros, j'avais le choix de te rencontrer et j'avais aussi, enfin j'ai aussi le choix d'effacer ta mémoire ou de garder ce qui se passe. En gros, ce qu'on propose, c'est d'avoir maintenant, moi, une influence sur le cours de ta vie. Une influence, en fait, sur le cours de ma vie. En fonction de ce que je vais dire, de ce que je vais te raconter, de ce que je vais te dire, de ce que je fais, de ce que j'aime, de mes regrets, de mes bonnes décisions, de mes rêves, de je ne sais quoi, en fait, ça va changer la vie. Ça va changer ta vie. Ça va tout changer, quoi. Alors oui, bien sûr, ça m'arrive de temps en temps de vouloir... revenir sur un événement ou de me dire que si j'avais pas fait ci ou si j'avais pas fait ça ou si j'avais dit ça, ben peut-être que ça serait pas passé comme ça ou peut-être que j'aurais eu cette rencontre ou j'aurais pas eu cette rencontre ou je ne sais quoi et ma vie elle serait complètement autrement. Alors pensez à toutes ces vies parallèles qu'on peut avoir, toutes, on en a des millions, chacun quoi. Et là on propose pas des millions mais en fait 2 vies parallèles. Parce que la mienne, je l'ai déjà vécue au final. Là, je l'ai vécue jusqu'à maintenant. Du coup, si je décide maintenant, en ayant vécu ma vie maintenant, de la refaire avec la tienne à 12 ans, c'est comme si j'aurais eu 2 vies. Mais a-t-on vraiment 2 vies lorsqu'on ne se rappelle que d'une ? Excuse-moi, je reviens. Bon. Ma petite choupinette, tu vas oublier tout ce que je t'ai dit. Tu vas continuer à faire ta vie, à rire, à faire le clown, à danser sous la pluie. N'écoute pas trop les gens, prends pas trop les gens trop au sérieux. La vie c'est un jeu, alors joue. Je connais pas vraiment l'efficacité de l'efface-mémoire en fait. Si c'est comme dans Men in Black, alors tant pis, t'auras tout oublié. Mais s'il a des petites lacunes, oublie pas que je t'aime.